Bonjour à tous, mon nom est Hélène. Donc je tiens à apporter mon témoignage en tant qu'investisseuse novice dans le domaine de l'immobilier. Donc mon témoignage sur la chaîne de Florian, de notre cher Florian. Donc je suis infirmière depuis 20 ans et précisément infirmière de nuit depuis 2011 pour pouvoir gérer ma vie de famille. Je suis originaire du Cameroun et je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans. Et j'ai passé toute ma vie voilà, en France, à Lille, à Villeurbanne et puis en région parisienne. Et jusqu'à ce que je m'expatrie ici au Canada, au Québec, en octobre 2013. Donc voilà, ça va faire donc 6 ans que je suis au Québec. Et donc en gros, je me suis toujours intéressée au domaine de l'immobilier, hein, depuis à peu près 2008. Et j'ai mis un petit peu ça en stand-by pour voilà, pouvoir gérer au mieux ma petite vie de famille, ma vie professionnelle. Mais j'avais toujours ça en arrière-plan dans mon cœur. Sachant que j'ai quand même de la famille dans le domaine, mon grand-père paternel et puis quelques proches de ma famille. Et donc voilà, aujourd'hui, mes enfants sont un peu plus grands, notamment mes deux derniers, mes petits jumeaux. Et donc depuis septembre 2018, voilà, j'ai à nouveau commencé à, voilà, à réfléchir à tout ce qui est investissement immobilier. Et donc c'est passé par de la formation, formation gratuite via les réseaux sociaux, via YouTube, et puis formation en ligne également. Jusqu'à ce que fin février 2019, je tombe sur une publicité de Florian. J'ai tout de suite accroché, donc j'ai suivi une session stratégie de plus d'1 heure et demie hein, avec lui au téléphone. Le courant est vraiment très bien passé. Et donc j'ai acheté son programme en ligne. Et je vous avouerai que cette personne a transformé ma vie. voilà. Donc j'ai eu l'occasion de saisir une opportunité. Qui l'a publié sur la page privée Facebook. Et je peux vous dire que quand le big why est fort, on ne lâche rien. Et mon big why, donc ce sont mes enfants, ce sont mes projets futurs pour eux, leur assurer leur avenir et les faire voyager, puis également assurer ma retraite. Donc voilà, c'est ce big why étant bien défini, voilà, donc je me suis battue pour pouvoir faire l'acquisition de ce condo, non sans mal, hein, parce que j'ai quand même pas mal de charges, mais voilà, donc la détermination. Au final, ce que je retiens, voilà, c'est la persévérance, la réactivité, la détermination et aussi beaucoup de patience, hein, parce que il y a eu des montagnes russes, hein, mais au final, en s'entourant des bonnes personnes, en rencontrant voilà de bonnes personnes avec un mindset très positif, on finit toujours par avoir la clé du succès. Donc vraiment, Florian est rentré dans ma vie un peu par hasard, là en février, et il a été toujours d'un soutien indéfectible pour moi, et j'en suis vraiment très très reconnaissante. Donc aujourd'hui, j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale, là où je me situe là actuellement. Et donc voilà, c'est mon premier exercice, hein, l'acquisition de ce condo. Voilà, donc j'ai signé chez le notaire là au mois d'août. Et donc je compte faire de la location meublée. J'ai aussi mes stratégies pour la sélection des locataires, hein. Donc c'est toutes ces formations qu'on apprend lors des programmes de coaching. Très très inspirant. On est entouré de camarades entre guillemets. Où on se motive, on se conseille. Et puis Florian également est de très 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 bons conseils, très astucieux, très ingénieux. Et ça nous aide pour aller de l'avant et définir de bonnes stratégies. Donc voilà, ce condo qui va être meublé, qui va être loué aussi. Donc j'ai déjà défini mes stratégies de location. Et fait aussi mon étude de marché pour les tarifs en fait, hein, de location. Et ça devrait me générer un bon cash flow en fait, hein, de 6 à 700 dollars par mois. C'est un début modeste, mais voilà, j'espère ne pas m'arrêter là et aller vers d'autres acquisitions dans le courant de l'année 2020, sachant que j'ai encore d'autres défis à relever, hein, avec des charges personnelles assez conséquentes, mais
comme je vous dis, mon big why est fort. Donc, encore merci à Florian et je vous recommande vraiment son coaching. Et je tiens également à sensibiliser les femmes à investir dans l'immobilier parce que j'en connais beaucoup qui sont vulnérables à l'heure actuelle. Et c'est un levier formidable pour se sécuriser elles-mêmes et leurs proches. Donc voilà, j'ai déjà lancé 2-3 contacts comme ça dans le programme de Florian. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès hein, dans vos réalisations. Prenez soin de vous et encore merci à toi Florian. Bye.